Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de trading en direct avec Admiral Markets. Donc, bonjour K40 et DAX30. On est le vendredi 17 avril et il est 8h30. On va donc pouvoir commencer. Tout d'abord, bonjour à tous ceux qui sont avec nous sur le chat. On commencer par Raphaël qui nous dit bonjour ce matin. On dresse, on est prêt. Oui, on dresse, on va. Commencer. Pendant que je dis les premiers commentaires, je vais vous mettre l'avertissement sur le risque. Comme ça, ça sera fait. The Graal, bonjour The Graal, merci pour le récap de ce matin. Arthur, Rofignac, Géraud, Tony, Philippe, Henri, Issouf, Yvan, Paul, Nicolas, Fernandez et Circo qui sont tous ce matin déjà. Avec nous, il y a ceci qui vient nous rejoindre. Bonjour à vous, bienvenue et le grade qui fait un petit rappel les pouces bleus. Merci, de grade, comme d'habitude. Joël, Yousseous, bonjour et bienvenue à vous. Donc, l'avertissement sur l'ex, vous devez avoir eu le temps d'en prendre connaissance. On est ici juste pour échanger des opinions, voir comment on peut lire les marchés en ce moment. Ce n'est aucunement des conseils de trading. Si vous avez des questions que vous voulez échanger avec moi ou entre vous, entre traders, la communauté Admiral Market, c'est une belle famille qui échange énormément et qui s'entraide beaucoup. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, surtout si vous débutez sur le chat de ce live c'est fait aussi pour ça pas juste pour avoir une lecture des marchés ça peut ça sert aussi à échanger entre nous et entre vous donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour cela si ce n'est pas déjà fait je vous invite à liker la vidéo si vous aimez bien nos contenus c'est le meilleur moyen de nous aider à nous encourager pour en faire toujours plus pour vous sur notre chaîne YouTube d'Admiral Markets. Sinon, si vous passez plus tard, que vous n'avez pas pu être avec nous en direct, que vous visionnez la vidéo plus tard, vous avez la possibilité de laisser un commentaire. On les lit aussi et on y répond avec grand plaisir à chaque fois. Si vous venez de découvrir la chaîne YouTube d'Admiral Markets et que vous vous intéressez au trading et à la bourse, euh, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez prévenu à chaque fois euh, qu'il y a de nouveaux ajouts. En plus de ces séances de trading d'analyse des marchés en direct, on publie aussi régulièrement des vidéos éducatives de formation pour apprendre la bourse et apprendre. à à trader pas à pas donc si vous venez de découvrir la chaîne abonnez-vous et suivez nous c'est l'un des meilleurs moyens pour apprendre à trader c'est regarder un maximum de vidéos lire un maximum d'articles vous pouvez donc aller sur le site d'admiral markets là aussi vous trouverez plein de ressources pour apprendre à trader vous laisse un petit peu le calendrier économique qui ne sera pas très chargé aujourd'hui. Hein. Il n'y aura pas grand chose ce vendredi à surveiller sur le calendrier économique. Et je repasse rapidement sur le chat pour dire bonjour à tous ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre. Yvan, Paul, Nicolas, Fernandez, Circo, Ilias, on les a déjà vus, Joël qui vient nous rejoindre aussi, Yus, Yann, Ousmane, Francis, Laurent, stefano Bonjour à tous, je suis nouveau et ça m'intéresse beaucoup. Bienvenue Stéphane. J'espère que tu vas apprécier nos formats, hein, des séances de trading et d'analyse des marchés en direct tous les matins à 8h30. Donc euh, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne et à nous suivre régulièrement pour euh, avoir une vision euh, du marché tous les matins et poser tes questions si tu en as. Xavix qui est là aussi, salut à tous et salut Rilas, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps, Xavix, j'espère que toi aussi tu es forme Bon retour parmi nous. Philippe, bonjour, Stéphane, bienvenue parmi nous, <laughs> bienvenue Stéphane. Xavix aussi qui est un, qui est un régulier dans notre séance euh, de trading en direct, j'ai pas vu, euh, j'ai pas pour les autres si. Il est revenu, mais ça fait un moment. Mais ça fait plaisir de te revoir, Xavix. Euh... Laurent, qui souhaite la bienvenue à Stéphane aussi. Merci, Laurent. Eric, Gérard, Béatrice. Merci à toi, Béatrice, d'être là. Patrick, Xavix, petite question. Que s'est-il passé avec le WTI Trump a fait une annonce. Si on regarde WTI alors sur le WTI, le WTI normalement il a resté très bas à 19 et quelques. Euh, je je n'y a pas eu de bon à 26. Donc à voir avec ton broker Xavix mais il n'y a, a rien eu de particulier sur le porte le pétrole entre hier et aujourd'hui euh, on est toujours très bas chez admiral markets là on est exactement à 1937 sur le WTI euh, j'étais je un coup de ça c'est pour le spot si on jette un coup d'œil au futur qui est commodity futures je n'ai pas ici un hop on va dans je vais montrer quand même comme ça ça peut vous servir aussi on va dans symbole et on écrit us oil Non, il n'y a pas hop. Voilà. on va prendre hop, les derniers contrats hop. US Oil CWTI Ouais, sur le futur ça, ça doit être sur le futur sur le futur alors ouais c'est le, le futur il cote à 26 effectivement donc il y a parfois des différences comme ça entre les contrats futurs et le cash donc euh, si on regarde le us oil euh, futur effectivement on est à 26 xavix donc euh, tu dois être sur le contrat futur alors c'est pour ça que tu es à 26 euh, donc ça s'explique ok je vais en sur le calendrier économique. Yanis, Fred, Benjamin, Stéphane, c'est fait, je suis abonné. Bienvenue Stéphane, merci à toi. Michael X, bonjour à tous. Yanis. Non, Yanis, je n'utilise pas de Strength Currency. Salutations Hélas, salut Xavix et tous les autres. j'étais en plein déménagement direction Martinique et avec tout ce qui s'est passé et décalage horaire. Ah il est 2h38 là-bas. Ouais. Tu veilles tard pour trader l'ouverture européenne, Xavix, mais bon, si ça vaut le coup, tant mieux. Et pas mal la Martinique. Oui. Xavier, <laughs> oui, mais j'ai vu même chez, chez nous, chez Admiral Marquette, c'est le contrat futur. Il est à 1.26, donc ça s'explique. Donc tu dois être sur le contrat futur. yvan ouais. comment ça se passe Yvon qui demande comment ça se passe en Martinique au niveau du euh, coronavirus. On dit Frédéric. Micax, oui pareil. Oui, même chez nous, pareil. Hein. Sur le cash, on est à 19. Sur le futur, on est à 26. Avec la volatilité, euh, c'est un décalage assez grand. Hein. On voit pas mal de choses assez euh, entre guillemets bizarre en ce moment avec la, la baisse de la liquidité, la forte volatilité. Ça, on fait partie. S'il vous plaît, on pose pas de questions sur le autres broker. On est un broker, on fait un travail d'analyse pour vous. C'est pas le bon endroit pour faire entre guillemets de la pub, même si c'est des questions légitimes que vous pouvez poser. Hein, mais on peut pas se permettre de faire de la pub pour d'autres brokers ici, même si. ce c'est pas le but de vos messages. Hein. Bonjour de Camouras, Québec. Bienvenue Jean. Bienvenue à toi. Euh, Den, quels sont les jours fériés des marchés généralement hein. euh, C'est le grand fête religieuse. Hein. Pâques, Noël, le Nouvel An. C'est les trois grands jours fériés des, où les marchés financiers sont fermés. À savoir Noël et Nouvel An, même le Forex est fermé les autres jours, ils ne ferme pas. Morpheus, bienvenue à toi, bonjour à toi, bienvenue, belle journée de training, merci Morpheus. Marc Marc Etienne qui dit c'est le stockage qui explique la différence entre le cash et les futurs. Morpheus, Ousmane, on n'en pense rien de la concurrence. Merci de respecter la chaîne Admiral Market. Merci Morpheus. Jean qui nous rejoint, bon, je vais poursuivre. Donc, donc je disais le calendrier économique de ce vendredi. Il n'y aura pas grand chose à surveiller. 11h, on aura l'IPC de la zone euro, mais ce sera la seconde lecture hein, qui ne devrait pas avoir beaucoup d'influence sur les marchés. Habituellement, on peut avoir un impact sur l'euro et les indices de la zone euro. Euh, mais là, pour aujourd'hui, on ne devrait pas avoir une grande influence. Ensuite, en fin de journée à 19h, on aura des comptes des plateformes en fonction en, en, en fonctionnement à Berk et Rooks, hein, et, euh, et ça pourrait avoir une petite influence sur le pétrole, hein, puisqu'en ce moment le pétrole est un peu enclin à réagir à tout. Hein, beaucoup d'incertitudes autour du pétrole. Hein, tout le monde s'attend à un rebond, mais on ne sait pas quand. Donc les traders vont être à l'affût de toute information qui pourrait indiquer euh, un retour de la demande de, de consommation de pétrole. Hein, fait, le, le, le nombre de forages de Baker Hughes plus pour connaître l'état de l'offre américaine. Quelles plateformes sont en fonctionnement euh, Combien elles produisent en ce moment Donc ça peut donner une indication sur l'offre américaine, mais euh, là aussi comme hein, je vous disais on attend surtout d'avoir des réponses du côté de la demande pour que les pétroles puissent vraiment réagir et connaître un solide rebond voilà on va donc attaquer nos analyses sur les graphiques euh, sur notre plateforme de trading MetaTrader 5, à laquelle on a ajouté l'édition suprême des outils supplémentaires euh, édités par Admiral Markets pour vous et qui vous aide à aller encore plus loin dans votre trading, avoir des outils plus puissants, plus performants. Vous trouverez un lien de téléchargement en bas de la description de la vidéo, que ce soit pour la plateforme MetaTrader 4, MetaTrader 5, l'édition suprême. Vous aurez tous les liens nécessaires en bas de la description de la vidéo. D'habitude, donc on va commencer avec hop, le CAC 40, le CAC 40 qui a ouvert avec un beau gap haussier euh, ce matin. Les indices américains qui ont fini en forte hausse hier, euh, ils avaient déjà commencé à augmenter, euh, à progresser pendant la séance européenne et après la clôture européenne, ils ont continué à. À monter et pendant la nuit aussi, les marchés asiatiques ont terminé en forte hausse, ce qui donne un important gap haussier sur le CAC 40 ce matin. Jean, salut à tous, Stéphane. Par contre, euh, est-ce que tu pourras me guider car je suis novice dans ce domaine? Sur les grandes questions, oui, je pourrais, on, on est là pour ça. Hein. On se relaye, on est trois analystes et Admiral Markets à se relayer. Euh, tu auras des points de vue euh, différents et complémentaires, donc euh, c'est ce qui est euh, intéressant. Tu n'auras pas uniquement un point de vue d'un seul analyste, euh, tu auras tu pourras avoir une vue globale en posant des questions à, à différentes euh, personnes mais Stéphane aussi je t'invite à euh, c'est bien de suivre ces lives hein, tu, tu vas euh, je l'espère beaucoup apprendre mais il faut compléter ça avec des vidéos éducatives des articles lire, lire des articles t'exercer en compte des mots c'est là que tu vas le plus apprendre nous ce qu'on peut t'apporter c'est des compléments ensuite euh, voilà les rudiments, hein, le, le jargon, euh, tout, toute la base de la base, il faut la prendre déjà euh, sur des articles, sur des vidéos euh, éducatives. Ensuite, nous, on sera là pour te pousser un peu plus, pour aller un peu plus loin, t'apporter euh, des choses complémentaires. Mais vraiment, la base de la base, il faut peut-être déjà prendre le temps de la connaître. Hein, Qu'est-ce qu'un pipe, le jargon, euh, comment entrer un trade, tout ça. Euh, la base de la plateforme de trading parce qu'on passe 1 heure 30 tous les matins on analyse les marchés mais si on passe vraiment trop de temps sur les questions trop de base, on va pas y arriver donc avoir déjà une base, la chaîne YouTube a tout ce qu'il faut pour ça et ensuite nous on est derrière pour avancer ensemble. Marc, quel capital minouan vous conseillez pour débuter, débuter avec les indices Je ne peux pas vraiment te conseiller un chiffre précis. Ouais, mais plusieurs centaines d'euros, je pense, c'est un minimum. Ouais, Stéphane aussi, hein, tu peux demander euh, si tu es chez Admiral Market, enregistrés même des démo. Hein, demande le lien Telegram quand, quand c'est Morpheus. Hein, un groupe Telegram qui échange beaucoup, qui donne beaucoup d'avis, euh, qui vont aussi beaucoup t'aider à progresser. Le Graal pour le futur. Oui, le rappel de Gral, c'est vrai. Euh, les roulements, c'était hier. Donc, il y a contrat futur. Il y a de nouveaux contrats futurs euh, aujourd'hui. Donc, ça joue aussi dans, dans, le, dans le décalage. Bonjour, Cacarotte. Bienvenue, Grégory. Salut à toute la team, je suis nouveau dans le trading et j'espère arriver à y comprendre quelque chose en route. <laughs> en vous suivant régulièrement. Bienvenue Grégory, oui, bien sûr, on est là pour ça aussi. Didier qui nous a rejoint, Carole. Ah ouais. Donc, si je comprends bien, si les marchés US et Asiatiques grimpent, on a droit à un gap haussier en Europe. C'est toujours comme ça, ou ça dépend de certains critères. Euh, il faut savoir que les indices boursiers, que ce soit asiatique américain européen ils bougent tous euh, en même temps dans la dans le même direction. Après, il y a des différences, bien évidemment, de, de l'ampleur. Hein. Parfois, ça va plus vite en Europe, parfois, ça va plus vite aux États-Unis, selon où est localisé vraiment le catalyseur à la hausse ou à la baisse, mais si ça baisse aux États-Unis, ça baisse aussi en Europe et ça baisse aussi euh, en Asie. Maintenant, euh, tout est corrélé, c'est très très corrélé entre les indices boursiers de tout. Euh, les régions mondiales donc quand c'est clôturé en Europe et que ça monte en Asie euh, ça monte aussi en Europe mais comme les marchés sont fermés on le voit pas donc euh, dès que ça reprend la cotation toute la hausse qui a eu pendant la séance asiatique on n'a pas de cotation mais quand on ouvre on ouvre plus haut ou plus bas donc généralement oui quand ça monte mais quand ça monte bien hein, on est monté de plus de 3% au marché asiatique c'est pour ça qu'on a un gap aussi comme ça en Europe ce matin donc toute la hausse de 3%, on ne l'a pas observée pendant la nuit, mais elle y est dans, le, dans, dans, dans les marchés, dans les ordres dans les et euh, l'ajustement se fait à l'ouverture, immédiatement après l'ouverture, c'est pour ça qu'il y a des gaps à la hausse et à la baisse. 0% bonjour, s'agit-il d'un crash ou d'une grande correction euh, De quoi plus précis, s'il te plaît 0% ah, Ousmane pour... Euh, pardon. Euh, Ouais, Ousmane pour les pipes, je t'invite à lire l'article sur les pipes pour regarder la vidéo, comme ça tu pourras mieux comprendre de quoi il s'agit, comment les calculer. Canal Telegram, vous pouvez demander sur le chat directement, sur le site d'Admiral Markets, vous aurez le service client, vous demandez le lien pour le canal Telegram et comme ça vous pourrez l'intégrer. et discuter entre vous et même avec nous parfois on intervient dessus renault à 16 euros nous dit grégoire salut à tous top random bienvenue Bonjour le petit Nicolas, Chris, Raphaël. <laughs> Pas de quoi Raphaël, grand bon plaisir. C'est quoi un gap? C'est le vide de cotation qu'on voit ici à l'ouverture. Un gap, c'est un écart. Grégory Hello. Ok. Donc on, on commence avec le CAC 40, comme ça on en sera sur les indices d'ici l'ouverture européenne dans six petites minutes. Donc le CAC 40, globalement, on est toujours dans ce range-là d'hésitation entre le plus haut ici des 4569 et les plus bas vers les 4112 dans cette zone de consolidation ici. On a eu un fort rallye. Un repli et là on repart à la hausse on a eu de, des petites hésita, hésita, hésitations pardon mais on n'a pas cassé sous le dernier creux donc on reste toujours pour le moment dans ce schéma de tendance haussière un plus haut un creux et là on a bloqué pour le moment sur les 4570 4 donc il faudra confirmer au-dessus de ces 4570 pour avoir Nouveau pic plus haut que le précédent, que les précédents. Ici, on en a deux. Il faudra casser donc au-dessus pour confirmer la reprise haussière. Je vais mettre en données H4 pour qu'on voit mieux tout ça. Hop, on voilà, Il zoom un petit peu après la chute. On est plutôt dans une phase de consolidation pour le moment. Et si on a cassure au-dessus des deux pic ici, on pourra reprendre le chemin de la hausse pour aller chercher les 4926 environ et là le bas du dernier gap baissier. Je vais enlever ça. Hop. Et si on échoue encore sous les 4570, qu'on repart à la baisse, tant qu'on se maintient au-dessus des 4112 des plus bas ici, on restera toujours dans le cadre de cette consolidation, cette petite hésitation qu'on observe dernièrement sur le CAC 40. Sur les autres indices, c'est allé un peu plus fort. Mais sur le CAC 40, il est toujours dans cette consolidation horizontale. Et si on casse sous les 4112, ça va confirmer un double top, voire un triple top qui est en cours de formation ici. Et là, on pourrait chuter plus rapidement et retrouver euh, éventuellement les derniers plus bas dans cette zone des 3620. Mais pour le moment, c'est un peu la consolidation et ce dernier gap haussier encourage un peu les acheteurs en plus. On se retrouve tout juste sous le dernier support des 4466. Donc pour le moment, ça sera les seuils à surveiller à très court terme 4466, 4570, avec un léger biais haussier en intraday. Mais à plus court terme, c'est plutôt la consolidation qui l'emporte. Donc à suivre si on arrive vraiment à aller plus haut durant les prochaines séances. On n'oublie pas qu'on est aussi vendredi et ça peut inciter un peu les traders à la prudence avant le week-end hein, en ce moment euh, c'est vraiment très risqué de maintenir des positions ouvertes euh, pendant le week-end parce qu'il peut se passer vraiment beaucoup de choses sur euh, le virus ou d'autres d'autres annonces hein, de tout genre politiques sur le pétrole donc il peut se passer énormément de choses qui peuvent avoir un fort impact sur les marchés dès l'ouverture dimanche soir ou lundi matin selon les actifs. Et donc, en prudence, avant le week-end et surtout avant la clôture, pensez à réduire votre exposition, réduire votre risque, voire à clôturer vos positions et les reprendre lundi. Ce que je vous disais sur le DAX. Un peu plus fort hein. on est déjà sorti de ce range de consolidation ici c'était entre les 9326 et les 10, 000. Euh, 10 100 on le rend on a cassé au-dessus hein. je fais ce niveau là je l'avais mis en cours voilà donc c'est plus propre on voit mieux On est passé à un palier un peu supérieur dans la consolidation. On a cassé cette résistance des 10100, 1120. 10 et là, on est maintenant en train de consolider au-dessus. On a eu une hausse, on a bloqué sur les 10 820. Un repli pour revenir tester cette zone de support autour des et 10 10120 10 Je vais peut-être remonter un petit peu. Ouais, vers les 10150 ici. Donc la zone hein, entre 10 150 10 000. Euh, et là donc ça a joué le rôle de support. Et là on est en train euh, de remonter en direction des 10 120, tranquillement. On va voir si on arrive vraiment à aller chercher cette zone-là. Et au-delà, si on casse au-dessus des 10 820 sur le DAX, on irait chercher les 11100. Là aussi, le bas du dernier gap baissier qui sera le prochain obstacle à la hausse avant la borne haute vers les 11 420. On passe au Dow Jones. Là aussi, ça a pas mal grimpé sur les indices américains. Pour ma part, j'aime bien suivre les ratios Fibonacci de la dernière chute. Là, on avait bloqué, hein, je vais mettre ça ici, comme ça vous pourrez voir les ratios. On avait bloqué sous les 50%, on a cassé au-dessus, on a beaucoup tergiversé ici. Une zone de support qui s'est formée plutôt euh, vers les 23 200, et ils une résistance qui était ici vers les 24 000. Et on a cassé donc cette nuit euh, avec un petit gap. Haussier, euh, et on pourrait donc poursuivre vers les 61,80%. Je vous le disais euh, depuis quelques jours, hein, je surveille cet obstacle hein, qui pourrait être un très solide obstacle à la hausse autour des 61,8% qui correspondent environ aux 24 724 C'est la zone entre les 24.700 et le pic ici euh, vers les 25.000. donc 24 725 000 ça pourrait être une zone de fort de résistance sur le dojon, ça durant les prochains jours à surveiller de très près. On pourrait aller la chercher avant d'avoir éventuellement un nouveau repli. Donc avant de terminer avec les indices, clairement, ça pousse encore à la hausse. On a eu une période d'hésitation et là ça repart à la hausse. On a les grandes économies mondiales, la France, l'Allemagne peu les états-unis progressivement en Asie qui rouvre et euh, ça encourage un peu euh, les investisseurs. On a aussi euh, le début de la période euh, de la publication des résultats trimestriels. Euh, les chiffres sont mauvais, certes, mais on s'y attendait. Mais il y a aussi de plus en plus de grandes usines, de grandes industries qui rouvrent. Euh, Boeing par exemple va reprendre ses activités, va rouvrir quelques usines, reprendre une activité partielle aux États-Unis. Donc voilà, progressivement, c'est en train de repartir. Euh, prudence, hein, même si on peut encore avoir de mauvaises surprises euh, plus tard. Les marchés en profitent tout de même pour euh, corriger euh, la, der la dernière baisse. Hein. Vous voyez, on a, on est déjà on a déjà regagné plus de 50%, plus de la moitié de toute la chute qu'on a eu en février-mars. C'est déjà beaucoup. Et ça pourrait continuer si on continue à avoir de bonnes surprises et de bons chiffres. On passe à l'or. Je vais mettre en, en journalier. Pour c'était l'oblique baissière sur le RSI. Et l'or qui est un peu hésitant autour des 1700 dollars. On a dépassé le dernier pic de l'année enregistré en mars. On a marqué un nouveau pic vers les 1750. Et là, on est un petit peu en train de corriger. Euh, cette bougie là, d'aujourd'hui, va être intéressante à suivre. On va voir si on clôture au-dessus ou en dessous euh, du dernier pic. Si on clôture en dessous, on pourrait un peu corriger ou. Euh, consolider en dessous durant le début de la semaine prochaine si on clôture au dessus on pourrait repartir pour aller chercher les 1750 voir l'important très solide résistance des 1800 au dessus qu'on pourrait quand même que les acheteurs voudront euh, probablement aller tester durant les prochains jours après si est ce qu'on aura est ce qu'on va y aller rapidement ou on aura une période d'hésitation avant d'y aller euh, ça ça sera difficile à prévoir ça va dépendre aussi de beaucoup de choses, de beaucoup de ce qui va se passer durant les prochains jours autour du coronavirus et sur les marchés boursiers. Alors on fait un petit tour sur le chat. Alors. Ouais, le groupe telegram euh, on fait quand même attention parce que c'est un public c'est un groupe ouvert euh, quand c'est ouvert comme ça vous savez les brokers il y a pas mal de brokers peu scrupuleux euh, envers euh, les clients qui, qui essayent un peu d'escroquer les clients mais il y a aussi des brokers véreux envers leurs concurrents euh, donc pour euh, le groupe telegram hein, quand, Mieux passer par le service client, comme ça on sait que vous êtes enregistré chez nous et euh, il n'y aura pas de problème quand euh, vous, vous serez dedans. C'est 29 euros pour euh, mon fils, c'est une blague, bien évidemment. <laughs> grégory j'en ai parlé sur le cac 40 quand j'étais dessus un double un double sommet ça doit être confirmé par la cassure de la ligne de cou Ce c'est pas du tout le cas pour le moment sur le cac 40 on est très proche des sommets donc on ne peut pas encore parler de double top pour qui ait un double top ou un double sommet il faut casser le creux qu'il y a entre les deux tops et c'est pas du tout le cas pour le moment sur le cac 40 au contraire c'est en train de pousser à la hausse donc une fois qu'on aura cassé le creux ici entre les 4112, là on pourra parler d'un double top, mais pour le moment on est né très très loin. Bonjour Angelo, bienvenue Romaric, bonjour à tous. On va bien au Mike, on se part. Toi aussi t'es en forme ce matin. Xavix s'amuse bien ce matin en forme pour son retour. Tu nous as manqué, Xavix. Sur le mini-terminal, pas bouton orange ici, ouais, c'est bizarre. Essaye de le réinstaller, sinon toujours hein, pour les problèmes de ce genre, il vaut mieux voir avec les services clients, comme ça ils pourront voir directement avec vous euh, en tête à tête. <laughs> si je puis dire. Pour en prendre plus de temps pour voir votre cas en particulier. Le Forex pas encore. Je termine avec. Là, on va passer au pétrole. Ensuite, je passe au forex. Super, on dit bienvenue donc. Ouais, qu'il trouve les États seulement. L'ami Trump vient voit les conséquences. Lui, il est pressé après les États. Il y en a qui suivent, il y en a qui suivent pas. Heureusement, c'est entre les mains des gouverneurs des États et non pas au niveau fédéral aux mains de Trump. C'est le gouverneur qui décide État par État. qui attend une baisse de l'or à 1600 pour repasser à l'achat l'or il devrait rester sous, pas mal soutenu après hein, ce que j'ai vu euh, est ce qu'il va aller jusqu'au 2000 ou pas mmh. c'est un peu la grande question du moment sur l'or déjà 1800 et ensuite si on casse 1800 si on casse 1800 dollars je pense qu'il oui, y a des chances qu'on ait euh, près des 2000 mais il y a un gros obstacle d'abord euh, vers les 1800 Salut Alexandra, bienvenue. <laughs> Oh, Grégory, oui, j'ai vu ta question, c'est pour ça, ouais. J'en avais parlé avant. Ok, parfait. Donc, pour le double top sur le CAC 40. Xavix, oui, vue imprenable déjà. Si tu as une vue imprenable depuis chez toi, c'est pas mal, déjà, on imagine. En plus, ton image, c'est un beau coucher de soleil. En mer, donc euh, on imagine bien que tu apprécies xavix il est à fond pourtant il est 3 heures du matin on peut pas savoir ce que tu as pris xavix Alors Marc, les ordres sont exécutés. Alors, juste une question sur MT5, MT4, ça va être pareil. Les ordres sont exécutés en local sur le PC ou sur le serveur admiral. Donc ils sont traités par le serveur admiral, mais l'entrée d'ordre elle passe déjà bien sûr par votre PC. Donc être clair votre connexion internet et votre ordinateur à vous sa puissance aura donc une incidence sur l'entrée de l'ordre à la base mais une fois qu'ils sont entrés ils sont transmis au serveur d'admiral ça se passe au niveau des serveurs admiral pour l'entrée de base euh, l'entrée de l'ordre initial donc ça se passe sur le pc ensuite sur le serveur pour le take profit et le stop loss Ensuite ça se passe complètement entièrement sur le serveur. Une fois que vous avez positionné votre take profit et votre stop loss, même si vous, vous éteignez votre ordinateur et que les prix arrivent au take profit et au stop loss, ils seront tout de même déclenchés Donc l'entrée d'ordre initiale sur PC, ensuite sur serveur, une fois qu que l'ordre est arrivé sur le serveur d'admiral, ça gère tout derrière. Donc, si vous mettez un ordre en attente, que ce soit l'achat, la vente, tech profit, stop loss, ça se passe sur le serveur. Mais quand vous entrez en trade, ben, on va dire en direct sur le marché, ça se passe sur les deux. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à votre question. C'est d'abord local sur le PC, ensuite sur, ça passe sur, sur le serveur. Donc quand on entre un nouveau ordre, ça passe bien évidemment par le PC, ensuite ça va dans les serveurs. Mais avant que ça aille dans les serveurs, ça passe d'abord le, sur le PC. Mais stop loss, take profit, c'est 100% sur les serveurs. Une fois que vous les avez entrés sur votre PC, ils sont sur le serveur et sont traités par le serveur. Avis ah oui, que tu te sentes bien ici, Alexandra, même si. Même si un autre broker pas de soucis. Pierre, bonjour Pierre, bienvenue. Yousouf, Youssef, Youssef qui nous dit on attend la cassure du range du dos pour shorter. Il y en a qui attendent la cassure, euh... <laughs> la cassure des indices boursiers pour shorter. Pour le moment ils sont plutôt sur les bornes hautes, mais à tout moment il, se passe, il peut se passer plein de choses. Xavier, café Rome à cette heure, il a <laughs> ça aide pour trader, mais peut-être pas en excès. Xavier, c'est le mec qui prend de la coco à la noix. Vous avez un canal où nous pourrions vous suivre. C'est sur YouTube, ça se passe sur YouTube. Il y a, euh, il y a le Telegram du groupe Admiral Markets, mais c'est pour se échanger avec euh, tous les traders d'Admiral Markets. Alors on passe alors euh, au pétrole, on va quand même poursuivre pour arriver euh, au trading le Brent donc qui reste très bas ici vers les 26 dollars. On a eu euh, une hésitation sous la résistance des 31,40. On a essayé de casser au-dessus assez rapidement euh, lors du, de l'annonce. Juste à la fin de la réunion de la peuple, on avait annoncé 20 millions de barils par jour. On est monté, on est reparti à la baisse avec l'annonce de 10 millions derrière. Vous avez pu suivre ça. Et depuis, on chute. Et là, on est en train de stabiliser, juste au-dessus des 25,50 dollars. Donc pour le moment, le le pétrole est en train de stabiliser près des plus bas près de la zone de support des 2460 donc la dernière fois je vous disais on pourrait avoir une petite stabilisation ici entre les 25 et les 31 dollars sur le pétrole dans l'attente de nouveaux signes on pourrait encore reculer un petit peu mais les traders les investisseurs de pétrole sont surtout en période d'observation pour voir si, euh, si ça peut remonter, hein, s'il y a des signes euh, qui peuvent encourager, encourager la hausse. Donc en ce moment, le mode est un petit peu achat du creux, mais ça reste aussi très risqué. Ça va, on peut repartir à plus bas à tout moment. Donc euh, on est un peu dans un état stationnaire entre ceux euh, qui hésitent, qui attendent d'avoir des sites, euh, des, des annonces concrète pour repartir à la hausse. Ceux qui ils essayent déjà d'acheter le creux, ça c'est une approche risquée, mais si ça part à la hausse rapidement, ça peut être très euh, payant, mais c'est risqué si ça... On, rien ne nous dit qu'on ne puisse pas aller encore plus bas. Et euh, les vendeurs aussi euh, un peu plus agressifs euh, près des plus bas qui veulent euh, continuer à baisser. Donc entre tout ça, on est un peu dans un état stationnaire sur le pétrole et d'attentisme pour voir ce qui va se produire durant les prochains jours. Si ça continue vraiment à rouvrir, l'activité continue à reprendre encore plus fort en Chine et que ça commence à repartir aussi au niveau de l'Europe et peut-être un peu aussi aux États-Unis, on voit que certaines usines commencent à rouvrir. Là, on pourrait peut-être repartir en hausse sur le pétrole mais je vous dis ça ça, ça sera pas avant plusieurs semaines voire quelques mois euh, l'agence internationale de l'énergie parle d'une possible hausse des prix à partir du mois de juin donc vous voyez on n'y est pas encore enfin hausse des prix euh, stabilisation du marché on va commencer euh, à consommer les stocks de pétrole, et là ce ça, ça sera un signe de départ de la demande. Et si ce qu'il faut pour le pétrole pour que ça parte à la hausse, donc pour le moment pour avoir encore une longue consolidation près des plus bas avant que ça reparte vraiment en hausse durant, Alors, je peux pas donner, je vais pas m'aventurer à donner une date ou une échéance, mais dans quelques semaines. Voir quelques mois ça peut repartir à la hausse. Mais pour l'instant, à court terme, euh, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de catalyseurs pour que ça parte euh, vraiment en hausse. Alors, on arrive sur le forex avec aura USD. Aura USD qui faiblit pas mal hein, depuis la cassure de cette ligne de tendance haussière vers les 1,0930, hein, on suivait bien cette ligne de tendance haussière depuis qu'on l'a cassé. On est euh, passé plutôt dans une tendance baissière. Euh, je vais mettre ça hop, pour mettre une nouvelle ligne que je vais surveiller. Ça sera celle-ci, cette fois-ci qui passe par les pics et sur une tendance baissière non immédiat, le support qui est testé c'est les 1,0830. 1,030 précédemment support ici, et on a essayé de casser en dessous. On a eu un rejet, et là on revient tester la zone de support. Et si on casse sous les 1,0830, là on pourrait avoir un signal pour aller chercher les récents plus bas vers la zone des 1,0770. 1,0750, déjà, ce sera 1, 1, 1, même 1,0780, 1,0770, ce sera la zone de support à cibler en cas de poursuite de la baisse sous les 1,0830. Et ensuite, en dessous, on aura les plus bas vers les 1,0650, 1,0635. Mais on n'en est pas là pour le moment. Donc, le dollar qui sera fermé enfin, Forex. Euh, pas très importante, hein. vous voyez on a, on a, on a testé euh, juste deux pics. elle n'est pas suffisamment ancienne pour qu'elle soit très très importante en cas de cassure donc si on casse au-dessus on pourrait avoir une accélération vers les 108, 85 d'abord dans une zone de résistance ici qu'on pourrait retrouver ensuite ça sera autour des 1,0920 avant les 1,0950, 1,0970 et le pic ici vers les 1,0990. Donc pour le moment, on reste sur un biais baissier. Le RSI horaire aussi, on voit très bien qu'il a bloqué sur la zone des 50 et est en train de repartir à la baisse. On est en pleine euh, zone baissière, on est encore loin des 30. Donc euh, le RSI laisse encore entrevoir un. Euh, Une capacité de baisse pour euro en intraday, du moins. Sur le graphique horaire, on reste dans l'intraday. En intraday, on pourrait donc encore reculer sur Euro-UST. Sur le GBP-UST, on a fini par casser les 1, 4, 80 qui était pendant longtemps une solide résistance. On, est, on a eu ce petit canal haussier sur cette oblique là, on l'a cassé autour des 1,2570 avec cette bougie baissière, et depuis on est plutôt dans un biais plus baissier et on retombe sous les 1,2480, même s'il y a beaucoup d'hésitation. Donc il faudra attendre des confirmations sous les derniers creux ici vers les 1,2440 puis les 1,24 pour avoir une nouvelle accélération baissière et aller chercher la zone des 1,2350 puis les 1,23. Bon pour le moment le biais faiblit aussi sur GBBUSD et si on continue à casser les derniers creux de cette phase d'hésitation on pourrait aller chercher plus bas les 1,2350 dans un premier temps. Alors, c'est cadre bon. Hein. Si on monte au-dessus des 1,2480, on aura besoin d'une confirmation au-dessus des 1,2525 25 pour éventuellement cibler un retour vers le pic ici des 1,2570, puis les 1,2620 et le pic 1,2640. Donc là aussi, bbesté un petit billet baissier sur USDN. Ça va être un peu l'inverse avec le dollar qui qui Sera fermé, euh, donc on avait une baisse, et là on est toujours dans cette phase de rebond avec un petit canal euh, haussier Qu'on va pas chercher à trader puisqu'on a eu des fausses cassures, mais euh, à observer quand même pour souligner euh, cette tendance haussière. On a touché de nouveau ici avec une zone de support horizontal en plus vers les 107,60 et il faudra casser au-dessus des 107. 90 pour aller chercher les pics ici vers les 108,05, euh, 108,10. Ça sera une première résistance avant les 108,20 et 108,70 au-dessus. Voilà, on va préparer un peu les graphiques pour voir si on a des opportunités à prendre. Je vais mettre sur le taxe déjà un. 15, hop. on va monter comme ça le dow Jones aussi sur le orist on est sur support, ça peut être pas mal avec ce support des 1.08.30 on est même en 5 minutes Là aussi, on va descendre en 5 minutes sur le DAX. Sur le DAX, il faudrait que j'ajuste un petit peu mes graphiques de court terme avec un support là. Hop, une résistance ici. Je vais les mettre en noir comme ça, je saurais que c'est des seuils plutôt de court terme. Ça, je vais pas m'emmener avec les autres seuils. Hop, voilà. Dans l'immédiat, ouais, qu'est-ce que ça donne Ok, pas mal la résistance. Et si on casse au-dessus, on peut avoir des cibles. Voilà. Ok, hop. Et si ça baisse. Hop, par là, le pic ici, on pourra le cibler. Voilà, je pose un peu mes seuils d'intraday sur le DAX. C'est l'actif que je vais peut-être chercher à trader. Ça monte, on va voir si ça casse ou ça hésite sur le pic. au reste support à 1, 08. 30 c'est assez clair. Là, on a un meilleur historique en M5. Ouais, C'est plat sur le de Jones. Hop. Un, support, un premier support par là. Un autre ici, juste là. Et ensuite, ça sera le bas du gap. Et à la hausse, hop. ça se joue pas ici. Voilà, hop, USTN taxe euh, le, vais... le pétrole. Je vais pas le scalper hein, du tout. C'est pas le moment. J'ai essayé USTN pour le moment. Je vais mettre mon mini terminal ici. J'aime bien utilisé Alors, je vais faire un petit tour sur le chat. En attendant, je surveille le DAX ici qui va aller chercher sa résistance des 1680. Là, ça casse et ça accélère à la hausse. Soit ça hésite et on retombe. Pardon je rentre un peu sur le chat pour voir tout ce que j'ai manqué. Okay. Ça discute pas mal, ça fait plaisir. Mais en profiter tout de même, avant ça, de vous inviter pour ceux qui n'ont pas déjà fait de s'abonner et de liker la vidéo. Ça prend deux secondes et nous, ça nous encourage énormément. Tony, le stop loss garanti contre un slippage. Il euh, y, y a un compte spécial pour ça avec stop mm, garanti, mais sur les autres euh, comptes standard hein, le, le stop loss n'est pas garanti contre le slippage. Ça devient intéressant sur. Je mettre en une minute carrément. Hop, sur le Dax en termes de lots je prends 4 lots pour ceux qui connaissent pas encore le le mini terminal ça vous aide à paramétrer vos lots et votre stop loss hein. si je mets un stop loss de 40 points là comme un scalp je vais mettre 30 points je touche contrôle les lots je veux risquer 1% de mon capital et ça met 650 Possibilité de l'eau. Hop. Je paramètre et j'attends une éventuelle cassure sous le support pour vendre. Un trade un peu agressif. Je vais peut-être diminuer le nombre de l'eau. Je vais en mettre 5. Voilà, un stop-loss juste au-dessus des derniers pics, hein. un peu agressif, mais on y va. Et un take profit, un hein. take profit, on peut très bien le prendre soit ici, si on n'est pas grand vers les 10 625, juste au-dessus des pics ici. Sinon, si on peut être un peu plus on peut le positionner juste au dessus des derniers creux ici euh, vers 10 670. on peut même envisager de descendre un peu plus bas euh, vers cette zone des 10 590 euh, donc sur le DAX on y est sur le dos j'aime bien l'observer On va agrandir notre dax. Hop, on va de ça pour suivre bien dans la position. Un petit pullback. On va voir comment ça va se décompter. C'est pas compliqué de jouer contre un gap. Ça peut l'être, ça, dé... ça dépend. Hein. Soit on joue le comblement du gap, soit on joue une poursuite du mouvement. C'est pour ce que tu veux dire par contre un gap, dans le sens inverse, ou ne pas jouer son comblement. Sur les autres marchés, ça bouge pas énormément, un peu sur. Euh, non, pas... Le de oui. Hop, voilà. Et... On va dire un petit peu. Le de chance qui va arriver sur son support, ce qui va un peu ralentir. Le DAX, mais si ça casse les 24 220 sur le dos, le DAX devrait aller euh, plus bas. Charles, analyse du DAX 32 prévu. Je l'ai fait en début de séance. Mohamed, bonjour, je trade. Sans stop loss, et ma stratégie est complètement différente aux autres. C'est normal. Oui, bien sûr, chacun a sa stratégie. Il y a autant de stratégies qu'il y a de personnes. Donc, on a tous, quelque part, des stratégies différentes. Elles, sont, elles se ressemblent un peu dans le fond, mais après, dans le détail, on a tous des stratégies différentes. Oui, c'est normal. Après, trader sans stop loss, ça, ça peut être dangereux, sauf si pas mal d'expérience et tu sais ce que tu fais en ne mettant pas de stop loss, mais sinon, je t'inviterai à faire attention et peut-être envisager des stop loss. Il y a pas mal de personnes qui aiment bien trader sans stop loss, mais ça demande quand même d'avoir une certaine expérience et un certain recul sur le marché pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire et aussi, surtout, un solide mental pour couper ses pertes manuellement soi-même et ne pas les laisser trop s'aggraver. Donc, si tu as tout ça, pourquoi pas Il y en a qui le font. Hein. Moi-même, parfois, je traite son, son stop-loss, mais derrière, ça peut être compliqué pour limiter ses pertes si ça se passe mal. Non, pas de DAX aujourd'hui. Il ferme à 9 De quoi tu parles, Xavix Alexandra, tout le monde a mis son petit pouce. Pas tout le monde, je pense pas. faut que j'aille faire un gâteau d'anniversaire confiné. Bon anniversaire au concerné, Alexandra. Tu le passeras le. Les salutations et les vœux d'Admiral Markets. Peut-on me confirmer le prix du WTI, s'il vous plaît Sur le cash, chez Admiral Markets, on est à 18. Ah oh, oui, ça ça encore. Oh, oui, ok, ok. Ça chute, ça chute. Ça chute encore sur le pétrole. Euh, je vais jeter un coup d'œil voir s'il y a eu des annonces derrière ou si ah, ça a vraiment pas mal baissé on est sur de nouveaux plus bas sur le Brent pas tant que ça ça a baissé mais sur wti on est vraiment on est sur les 18 après si tu vas dans le contrat futur je, je voulais voir à la base peut y avoir des décalages on en a parlé tout à l'heure il y en a qui ont des futurs à 26 dollars ouais ça continue de baisser donc sur le pétrole comme je disais ça peut être risqué à court terme si, si, si. Euh, si ça le dow jones qui tient son support le dax qui hésite donc Auriste qui hésite aussi à casser son support des 1.0830. Mais intéressant de voir que le pétrole continue de, ch de chuter. Borange sur le Brent mais c'est pas le cas sur le WTI apparemment Jean. Oui voilà, Mohamed, c'est ça. Ça peut être rentable, mais tu perds beaucoup en fermant des positions manuellement parce que t'as pas de stop loss. Et psychologiquement, c'est euh, c'est compliqué parfois. On reste là à observer les pertes et on espère que ça remonte. Mais ça ne fait qu'empirer. Et le stop loss, justement, il est là pour clôturer la position automatiquement. Et t'as pas à avoir ce stress de... Après, le piège aussi, c'est de ne pas trop faire bouger le stop loss quand on rapproche on se dit ah, je vais le remonter un petit peu donc avant de mettre stop loss bien analyser où tu veux positionner ton stop loss pas de souci à prendre le temps de chercher le bon emplacement du stop loss mais une fois que c'est fait on n'y touche plus et si on doit encaisser une perte on encaisse au mieux encaisser une petite perte que perdre tout son capital sur un ou deux trades. Grégory, oui, c'est une stratégie. Hein. Quand on est dans un range comme ça, nous dit Grégory sur le pétrole, par exemple, pourquoi ne pas placer des ordres limites à l'achat et ou à la vente en dehors de ce range. C'est une stratégie qui se fait très régulièrement. Donc oui, c'est une stratégie qu'on peut avoir complètement. Et comme dit Morpheus, il y, a, il y a toujours le risque de faux signal. Et après, chacun sa stratégie. Il y en a qui vont pas mettre d'ordre de, de, de limite, ils vont attendre une cassure. Hop, un pullback pour entrer ensuite. Comme ici, par exemple, moi, je, on peut dire que quasiment j'ai mis un ordre limite. Hein. J'ai pas attendu beaucoup pour entrer à la vente suite à la cassure. De mon support, mais d'autres attendront une cassure comme ça, ensuite un pullback, on revienne et entrer à la vente ensuite. Donc il y a différentes stratégies. Moi, généralement, j'entre assez rapidement, ça me cause souvent euh, des faux signaux, Donc. mais quand ça va. Tout droit, direct, il n'y a pas de pullback, je suis dedans. Donc voilà, c'est différentes stratégies, teste les deux et tu verras, Grégory, celle qui te va le mieux. Bonjour à tous, je me suis positionné, nous dit Kira. Hein. On achat sur WTI à 21,55 il y a plusieurs jours, mais pas de rebond. Vaut mieux que je ferme mes positions. Merci. En ce moment ça baisse en plus le WTI il est à 18 déjà. Donc ça passe encore sur le pétrole. Alors que mon take profit vient d'être pris sur euh, le DAX qui continue de chuter. Donc euh, la cassure, le retour sous le support. Donc, un petit rappel de la position. On va agrandir le DAX. rester aussi, il est en train de casser. Euh, je vais on va le mettre en M15 pour qu'on observe bien. On a eu une période de consolidation ici. Résistance, on a cassé. On a touché une nouvelle résistance. On a beaucoup hésité ici. Voilà. Résistance à plusieurs reprises. Hein, vers les 10 643. On a eu une cassure au-dessus. Échec, on est revenu en dessous. Et là, c'était un signe d'essoufflement hein, les rebonds qui n'arrivent pas à tenir et en dessous euh, derrière on a bien euh, rechuté ah, je me suis pas j'étais pas trop gourmand en visant directement euh, le support j'ai pris mes bénéfices un peu plus haut comme ça ça enfin garantie j'allais dire garantie ça garantit rien mais comme ça on est sûr de un peu sûr on a pris les bénéfices avant le support comme ça même si le support n'est pas vraiment touché on a pris nos bénéfices et dans le même temps le Dow Jones qui a cassé son support ça ça a aidé la chute et si le se continue de baisser on casse sous le creux ici des 24 143 là on a un solide support avec le haut du cap ça peut tenir mais si ça casse on pourrait aller chercher les 23 900 la zone vers le bas du gap mais pour le moment il n'y a pas ce signal de vente là pour le moment ça peut tenir donc maintenant on peut s'intéresser au RST hop RST qui cassait sa résistance et le prochain support c'est ici 10815 je vais un peu plus historique en horaire ouais, c'est quand même une importante zone ici aussi un peu de résistance euh, ouais, un peu tard quand même pour si ça casse en dessous les un 8 16 là ça peut devenir intéressant pour de l'intraday du swing ça peut être intéressant de vendre mais pour du scalping là on termine la séance dans 15 minutes il faut aurait fallu entrer plus tôt pour prendre tout juste 10 pipes le dax qui teste son support le dojo peut-être en train de lâcher un on peut, on s'oriente peut-être vers une correction ce matin vendredi gap peut peut-être pourrait peut-être aller chercher le bas du cap en trait de derrière. Mais pour le moment, on n'a pas cette confirmation-là. Là, comme c'est un enjeu un peu plus important, quand même, il y a du chemin à faire. Euh, je serais moins enclin à vendre directement sur euh, début d'une cassure. Là, comme c'était un scalp, un petit mouvement, je l'ai fait sur euh, le DAX. Mais là, sur le dos ou même sur le DAX, hein, vous allez voir. Hop. Là, on n'est pas vraiment sur le gap. Ah, il y a une ligne de tendance qui se dessine Hop, comme ça en bon, M15 sur le DAX. Et là, on est en train de tester la bande basse. Pour le moment, ça tient, même ici sur le jones ça tient. Euh, ouais trop tôt pour vendre pour cibler le bas du cap, trop tard pour vendre le mouvement que j'avais ciblé en scalping. Sur OEST, on a pas mal baissé, a plus suffisamment de place pour aller chercher les 108 16. Ouais, ça m'intéresse pas de jouer 5 pips. Mais là, qu'ils font hein. en une minute. Hop. Euh, ouais. non, je vais pas le faire sur le ST. Je vais faire un petit tour sur le chat. Là, ouais, le DAX qui remonte hein, sur sa zone de support. On a pris nos bénéfices avant. Et là, ça peut peut-être remonter. Si on était très agressif, on pourrait jouer l'achat avec un stop-loss proche ici. Je ne suis pas très très agressif dans mon trading. Personnellement, mais si on veut être agressif, hein, on a joué la baisse, on a pris nos bénéfices, on re rentre à l'achat pour jouer le rebond avec la stop-loss proche vers les 10 575. Risqué aussi, mais ça peut se jouer avec un take-profit sous les piques ici vers les 10 630. Très agressif à l'achat, mais bon plus on attend plus, euh... plus ça sera trop tard mais ration intéressant stop serré que je sais pas si c'est le dax ou ah sur la la les sorties de range oui sorties de range on peut se permettre de mettre des stops serrés Donc, Kira, je ne peux pas te dire ce que tu dois clôturer tes positions ou pas, mais si tu as acheté le pétrole maintenant, c'est à moyen terme. Acheter le pétrole en ce moment à court terme, c'est plus risqué. Mais il y a beaucoup de traders ou d'investisseurs qui cherchent à acheter le pétrole maintenant et pour maintenir des positions à un peu plus long terme, pour viser un rebond dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Si c'est ta stratégie aussi, voilà, mais à court terme, c'est peut-être pas le plus intéressant à faire en ce moment, acheter du pétrole à court terme. Et si vous jouez le rebond du pétrole à moyen terme, il vaut mieux se positionner sur les contrats futurs et surveiller bien évidemment les rollover, puisque les positions sont clôturées quand le futur arrive à terme. Mais sur le futur, si je dis ça, parce qu'il n'y a pas de swap. Si tu achètes en CFD que tu maintiens ta position plusieurs semaines, ça va te coûter un peu cher en termes de swap. Chaque soir, tu payes un swap, alors que sur les contrats futurs, il n'y a pas de swap. Et là, c'est un peu plus intéressant. Donc, pour ceux qui voudraient acheter du pétrole à moyen, long terme, positionnez-vous plutôt sur les contrats futurs. Et là, vous surveillez bien évidemment. Euh quand est-ce que le contrat arrive à terme Parce que quand le contrat arrive à terme, la position est clôturée, vous devrez la rouvrir sur le contrat futur suivant. Et les termes, c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois sur les contrats. Pour ce genre de strates en général, je trace ligne des bougies et ligne des mèches et je place légèrement au-dessus hein. pour filtrer un petit peu. Oui, c'est mieux, c'est bien aussi. Donc le Dax qui tient son support pour le moment. Il n'y a pas vraiment de fort rebond, mais le support ouais, si tient. Voilà, qui repart tester. Sa résistance des 1.0830. Bon, on va pas tarder à se quitter. Je ne vais rien faire. Mais voici ce que je disais, cassure pullback. Il y en a beaucoup qui vont se positionner ici sur les 1.0830. Mais là aussi, on peut avoir une surprise cassure haussière. Mais pour ceux qui ont un biais vendeur sur USD sous les 1.0830, c'est le bon moment de le faire avec un stop loss. Selon votre objectif, hein. peut-être vers les 1 40 45, ça peut être pas mal. 10 15 pips sont plutôt serré au-dessus de cette zone là pour jouer une reprise de la baisse, mais assez, ça a l'air assez solide quand même. Le, le rebond il peut tenir, David. Hello, salut David. Ouais. Débutant, mais surveille le marché et vous suit depuis peu. Super Kira, continue à poser tes questions. Pas de souci pas? que tu vas progresser très vite. Mais si tu nous suis, tu, 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 tu prends le temps de lire des articles, de voir des vidéos, t'exercer en démo. C'est tout ce qu'il faut pour progresser. À un certain moment, on se sent prêt à passer aux choses sérieuses, entre guillemets. Xavier, <laughs> Xavier, il n'en rate pas une. Oui, comme dit Morpheus, ça dépend des virconstances. Il <laughs> faut de frapper. Xavier, c'est là pour la relever. Pas de souci. Ouais, car Code le seul conseil que je pourrais te donner est bien de paramétrer tes stop loss et tes tech pour éviter d'être dans ce genre de situation complexe. Ouais. On paramètre bien son stop loss, voir son take profit. Il y en a qui n'aiment pas le mettre, mais si Après, on le laisse faire. C'est un excellent moyen d'enlever un peu d'émotionnel dans le trading. Tout automatisé en. On entre sur son signal, on met son stop loss, son take profit et on laisse faire ensuite. Le WT a pris une baisse sans raison apparente ce matin. Je m'attendais pas à une baisse si importante en début de matinée. Oui, Kira, ça a pas mal chuté. Sur le Brent on a une baisse mais pas aussi importante sur le WTI ça a... ça a cassé sous les derniers plus bas on est à 1830 18, 18, 30, le baril vous imaginez rien eu a priori il n'y a pas eu d'annonce en particulier qui a provoqué la chute du pétrole donc c'est juste le marché qui continue de baisser ça vaut c'est ce que ça vaut mais il y a beaucoup d'analystes qui disent un baril de pétrole sous 20 dollars c'est pas maintenable toute baisse sous les 20 ne dollars ne devrait pas durer mais bon ça c'est leur avis ça n'engage que eux mais voilà, il y en a beaucoup qui pensent qu'un baril de sous 20 dollars, c'est une aubaine pour acheter, mais à long terme. Acheter à court terme, ça reste encore risqué. Pourquoi c'est pas c'est pas maintenant sous 20 dollars Parce que sous 20 dollars, même les, les plus gros producteurs de pétrole produisent à perte. Il y a des seuils, on appelle les seuils de Barry even les seuils de rentabilité du prix du pétrole pour les producteurs et il est différent et sous 20 dollars quasiment tous les producteurs du monde perdent de l'argent euh, donc il y aura il y a un ajustement qui se fait un peu pour que ça remonte au dessus de 20 dollars mais bon après dans la réalité des choses ça se passe pas toujours comme ça 10 740 sur le DAX euh, jouable. Si on continue à monter comme ça, on, on pourrait casser le dernier pic ici. Ça sera direction les 1700, 10 740. Mais comme je disais, pour avoir un trade un peu agressif, on achète ici euh, juste au-dessus de ce support et cet oblique haussière euh, avec un stop serré. Et on peut avoir des cibles différentes selon son horizon temps bon, soit les 10 640 le pic ici ou les 10 680 le pic là ou carrément aller chercher les 10 740 euh, ah, euh, sur le dax hop les 10 740 qui correspondent ouais cette zone de résistance ici avant les 10 820 Donc, le support tient, ça rebondit. Après, est-ce que ça va continuer à monter ou ça va s'essouffler Comme on dit, faites vos paris. C'est à vous de voir comment vous voulez faire. Mais voilà. D'un point de vue trading, c'est jouable. Voilà. Il y a un beau ratio perte-bénéfice avec un stop serré juste là sous les 10 590 et un potentiel de hausse au moins ici vers 10 640, 10 690, 10 740. Et plus selon votre, votre horizon de trading, vous pouvez avoir plusieurs objectifs en cas de rond. Et si ça casse en dessous, vous prenez votre stop-loss et ça sera pour une autre fois. Ça arrive aussi, il faut accepter ces pertes. Mais le plus important, c'est de les limiter. Des pertes, il y en aura toujours de tout et de les limiter avec des stop loss bien ajustés. Caracote, oui, ça sur le sur long terme, oui, il y a une forte baisse de la demande, l'offre a un peu baissé, mais elle reste très élevée, donc le marché reste baissier, mais ce matin, ce qui, de quoi parle Akira, c'est l'impulsion baissière, la petite accélération baissière qu'il y a eu ce matin, il n'y a pas eu de catalyseur comme ça ce matin qui a provoqué cette baisse, mais euh, c'est une poursuite du mouvement baissier de fonds, Quand on dit sans raison, c'est sans catalyseur à ce moment-là précis. Après la raison, on la connaît tous. Hein. Ça baisse depuis un moment. Gregory, tu filtres un peu, tu confirmation de la cassure, c'est bien aussi. Ouais. C'est moins risqué. Donc selon cette stratégie stratégies, dans les trading, dans ce cas-là, si tu les laisses bien casser, c'est pas du scalping, mais tant mieux hein, peut-être. Pour toi, si tu n'as pas le scalping, c'est le plus risqué. Mais en swing trading, c'est ce qui se fait. Ouais, on attend une cassure, une confirmation que ça soit bien cassé pour ensuite se positionner pour jouer une poursuite de la tendance après cassure mais dans ce cas là euh, pense bien à ajuster tes, tes unités d'analyse donc il euh, ne faut pas prendre les ranges dans une minute cinq minutes dans ce cas là attends les bons ranges une bonne cassure de range en, en h1 voire en h4 là c'est l'idéal pour jouer cette stratégie à attendre une cassure bien évidente et une poursuite de la tendance en H1 H4 pour ensuite avoir une position sur quelques jours en swing trading même en day trading parfois ça peut quand ça va vite Voilà, je pense qu'on va bientôt terminer cette séance. On a pris un trade euh, sur le DAX. L'euro est peut-être quelque chose à faire. Mais nous, on arrive à la fin de la séance. Je continue à regarder un petit peu les commentaires sur le chat. Max, non, j'ai pas toussé. Là, je... Patrick, pour toute question sur Mini-Terminal, assure-toi que l'auto-trading est activé. Sinon, je t'invite à contacter le service client et pour en voir avec toi directement. Ouais, ça descend pas mal sur le WTI, ou au mieux. Si déjà en perte, on ne prends pas le risque. Ah. Nordine, on va chercher plus bas pour mieux rebondir. J'imagine que tu parles du pétrole. Pour du scalping, on peut trader son... Stop-loss tout en contrôle, bien sûr. <laughs> ça se joue ici. Là, justement, le contrôle. On peut trader son stop-loss, mais si on arrive à contrôler ses émotions, à contrôler les mouvements de marché, quand on sait qu'on est euh, que le trade n'est plus valide. Et ça, pour un débutant, c'est beaucoup plus compliqué. Avec un peu d'expérience, on peut y arriver. Zerkop bonjour je suis nouveau une petite question c'est un compte démo ou réel c'est un compte démo Zerkop comme ici on n'est pas là pour euh, vendre des signaux ou quoi que ce soit on vend rien du tout euh, on montre juste comment ça marche comment on fait on fait pas on suit pas les performances on je parle on parle jamais de performance on dit pas ouais, on montre un peu comment prendre des stratégies et, -delà de tout on est un broker donc un broker on n'a pas le droit de faire des signaux de trading on est régulé euh, donc on, on reste dans les clous entre guillemets et on, on, pour votre sécurité aussi hein. admiral market c'est si un broker régulé et on n'a pas le droit de faire des signaux et le trading en sur compte réel c'est apparenté à des signaux de trading donc, on fait ça en démo, juste pour vous montrer comment, en euh, déposition, voilà, ouais, démo, compte, démo, c'est écrit. Xavix, tu vas, tu vas perdre les débutants. Le DAX qui ferme à 9h, c'était de l'humour, on, on sait qu'il ferme à 9h30. Chris, son stop-loss non plus, je me suis fait avoir trois fois fini. Chacun sa strate. Un noir, oui, quand il y a un gap, oui, il n'y a pas le stop-loss, c'est le risque des gaps. Le stop-loss, il va pas être pris. Euh Là où tu l'as positionné, où il va y avoir un, un, un écart entre la clôture de la position et ton stop-loss. C'est normal. Malheureusement, quand il y a des gaps, il n'y a pas de cotation entre les prix. C'est pour ça que beaucoup de traders n'ont pas laissé une position ouverte durant la nuit. Encore moins durant le week-end. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer durant la nuit. On ne peut rien faire quand les marchés sont fermés. Attends, alors, y a... c'est même pas un slippage. Le slippage, c'est quand il y a une cotation pendant la science, un fort mouvement. Mais là, c'est un, un gap à l'ouverture. C'est en, encore pire au niveau du stop-loss quand il y a un grand écart comme ça. Mais malheureusement, ça fait partie des risques du trading. Pour éviter ça, clôturez vos positions. Avant la fin de la séance, avant la clôture, surtout en week-end. Ouais. <laughs> oui, oui. Oui, exactement. Quand le gap est dans ton sens, ça... ouais, c'est normal. T'arrives sur ton compte, il y a un énorme gap et tes gains sont multipliés. Ça fait plaisir, mais quand ça arrive dans le sens inverse, ça fait mal. OISD a cassé sa résistance, euh, a essayé de casser le revenu en dessous et le DAX qui part bien depuis son support. Alors pour ceux qui sont à l'achat, là déjà il y a une première résistance il y en aura d'autres plus haut selon vos objectifs. le jones qui remonte au-dessus des 24 220 c'est un signal aussi pour poursuite de la hausse là j'ai inversé position sur le DAX passé à, à l'achat tu veux dire comme je disais c'est jouable là. avec cette zone de support un stop loss juste en dessous serré le rebond jouable, un, un trade un peu agressif, mais totalement jouable. Et là, c'est bien plutôt pas mal parti pour ceux qui ont suivi à l'achat ici. Après, moi, j'avais juste vendu, j'ai clôturé, j'ai pas pris l'achat puisque là, on va bientôt terminer. Mais c'était jouable. Le dos est en train de casser. à la hausse oui, le Dax aussi. Bonjour, ah Baba, merci pour votre, ça nous aide beaucoup. Pas de souci, votre, ben, j'espère que c'est votre aide, ou votre soutien. Il n'y a pas de souci, à Baba. Depuis l'Italie, qu'est-ce que mini contrat, s'il vous plaît? Mini contrat, c'est les lots. Euh, un contrat, c'est un lot, un contrat, euh, mini lot. C'est 0,1 micro lot, c'est 0,01. C'est juste la taille de la position, en fait, le nombre de lots Les lots sont divisibles. Hein, es pas, ben, selon les marchés, tu n'es pas obligé de prendre un lot complet. Tu peux prendre un mini lot, soit un dixième ou un micro-lot, soit un centième d'un lot. Oui, contrat ou l'eau, ça dépend après. Merci pour ta réponse. Les contrats futurs sont pas visibles via MT4. Euh, je ne sais plus. Normalement, si il y a les actions qui sont moins nombreuses sur MT4 que sur Mt5. Sinon, Kira passe sur MT5. Tu auras tout. Tu auras beaucoup plus d'actifs sur MT5 que sur MT4. Donc si tu t'intéresses à un spectre plus large de d'instruments, passe plutôt sur MT5 prend un, un trade MT5 au lieu de trade un compte trade MT5 tu auras plus de contrats et les futurs ils sont là futurs hein. futurs futurs futur, sur les obligations sur les indices sur les matières premières Renaud, toujours un plaisir de passer cette matinée en ensemble. Bon week-end à tous, prenez soin de vous. Merci Renaud. Bon week-end à toi aussi, prends soin de toi, fais attention à toi. Le Dax qui bloque sur sa première résistance. Tic, 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 tic. Jacques, Bonjour à tous, je suis débutant, mais j'aimerais savoir si c'est que mon courtier, mon ordinateur à distance et comment faire pour installer la version réelle. C'est pas, euh, pas pour il faut ouvrir le compte, aller sur le site d'Admiral Markets, Hop. ouvrir un compte. Il voilà. faut passer par là pour ouvrir un compte en réel et ensuite il y a un, un, un service client en chargé de compte qui va te prendre. Euh, prendre et tu pourras poser toutes tes questions à ton chargé de compte pour t'aider à ouvrir ton compte en réel. Commence par t'inscrire, ensuite euh, tu pourras te guider si tu veux. Oui, il y a les futurs chez Admiral. Il y a des contrats futurs chez Admiral Markets. Bon, il me reste à vous remercier pour euh, votre présence. Toujours là avec nous, ça fait plaisir. Donc, euh, soyez prudents pour le reste de la séance. Ça, ça continue à bouger un petit peu quand même. Euh, le week-end... On a parlé des gaps et une plus risquée, c'est le week-end, surtout en ce moment. Donc, pensez à couvrir vos positions, réduire votre exposition ou carrément clôturer toutes vos positions avant le week-end. Les marchés seront encore là. Lundi, vous pourrez tout reprendre. Euh, lundi, donc, pourquoi prendre des risques euh, dans un week-end où on ne sait pas ce qui peut euh, se passer voilà, donc vous retrouverez lundi matin Pierre pour une nouvelle séance de trading en direct à partir de 8h30. Ensuite, Jérémy. Et quant à moi, on se retrouve donc mercredi prochain, euh, même heure, 8h30. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Et likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. un plus, merci beaucoup. Au revoir.